Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseil en gestion des ressources humaines et en santé sécurité au travail. Vous offrant une gamme complète de services en gestion de ressources humaines, en santé sécurité, en formation et coaching, ainsi qu'en développement de compétences pour gestionnaires et supérieurs. Chronique ressources humaines avec Caroline Ouellet, consultante en ressources humaines et en santé sécurité au travail, coach d'affaires certifiée, présidente chez Pratique et chroniqueuse ici dans les 100 000 matins. Bon matin, Caroline. Bon matin, Sylvain. Ça va bien? Ça va très, très bien. Et toi? Toujours. Ben, ça va pas toujours bien, pourtant, au travail. Pour bien des gens, on espère que ça aille bien, mais il y a des conflits qui arrivent. On en parlait il y a quelques semaines, d'ailleurs. Tu donnais des trucs pour résoudre ces conflits-là. On va poursuivre dans la même veine ce matin, si tu le veux bien. Exactement. Donc, ce que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est du style de gestion de conflits de nos gestionnaires. Donc, on a tous une prédominance, un passé qui nous amène à gérer les conflits d'une certaine façon. Il existe des styles de stratégie et qu'on adopte soit naturellement ou volontairement en fonction de la situation. Puis j'aimerais ça aborder ces trois grandes catégories-là. OK. Une des premières catégories que j'aborderais, c'est les stratégies qui sont de type perdante. Pour savoir notre profil, d'abord, on peut passer un petit test pour voir c'est quoi notre dominance dans notre style de gestion de conflit. Puis en fonction de la dominance, ben là, on peut s'ajuster en fonction des situations. Okay. Comme par exemple, dans les stratégies perdantes, on peut avoir des gestionnaires qui vont être plus de type compromis. Donc, des gestionnaires qui vont vouloir temporairement régler la situation très vite et qui vont faire des compromis, mais c'est pas tout le monde qui va être satisfait dans la situation. Fait que ça, c'est une des premières stratégies qu'on va qualifier plus de type perdant, parce qu'on n'a pas nécessairement réglé la situation de façon officielle. Un autre des stratégies perdantes que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est l'évitement. On voit ça souvent. Hein? On peut avoir des gestionnaires qui vont faire de l'évitement parce qu'ils ne savent pas comment gérer la situation. Ou des fois, c'est parce que c'est vraiment banal. Par exemple, madame a mis la boîte à lunch à la mauvaise place dans la cafétéria. Donc, c'est pas un conflit qu'on a intérêt à vouloir régler rapidement. C'est normal que le gestionnaire utilise l'évitement à ce moment-là. Ça va être une stratégie, en fait, qui va servir beaucoup à des problèmes banals. Mais si c'est notre style dominant et qu'on fait toujours de l'évitement, ben là, ça revient à ce qu'on disait dans l'autre chronique, qu'il y a des effets secondaires à pas gérer les conflits. Ben ouais. Et la dernière stratégie dans la catégorie perdante, c'est l'accommodement. Un peu comme le compromis, je vais prendre une entente, mais le problème va être encore là. Donc, c'est sûr que dans les stratégies perdantes, naturellement, on va parfois adopter ces styles-là, mais c'est pas l'objectif principal d'adopter des stratégies perdantes dans la gestion des conflits. Parce qu'on repousse les problèmes à plus tard et même on peut en créer d'autres. Exactement. Donc, on fait vraiment de la gestion court terme dans ce temps-là parce qu'on est en mode urgence et on veut régler la situation rapidement. Une des stratégies gagnantes-perdantes, ce serait l'affrontement. Si j'affronte la personne, ben comme superviseur, je vais m'imposer. Hein? Je vais dire que je suis le superviseur, je suis le boss, écoute ce que je te dis, voici ce qu'il faut que tu fasses. Mm-hmm. À ce moment-là, j'utilise mon influence, mais il y a toujours la personne adverse qui est perdante. Oui, moi, j'ai gagné, j'ai fait valoir mon point de vue, mais la personne adverse est perdante. Ouais. Donc, on va se servir d'une stratégie comme ça, par exemple, si on doit rendre obligatoire certains équipements de sécurité ou mettre une directive quelconque, à ce moment-là, oui, on va utiliser cette stratégie-là. Et finalement, la dernière, mais la plus intéressante, c'est la résolution de problèmes. Donc, ça, c'est la stratégie qui est gagnante à tout coup, c'est de vouloir gérer les problèmes. Par contre, ça peut être coûteux en temps et en énergie parce que ça va nous demander de vraiment trouver une satisfaction mutuelle avec la personne. On va avoir aussi à affronter réellement le problème parce qu'on veut trouver c'est quoi les causes. Puis finalement, on va trouver une solution qui va satisfaire tout le monde. Donc, idéalement, on souhaite comme gestionnaire se développer en adoptant une stratégie gagnante comme la résolution de problèmes. Par contre, notre quotidien nous fait souvent travailler dans la zone des stratégies perdantes avec les compromis, l'évitement ou encore l'accommodement. Mais tu le disais tantôt, il y a toutes sortes de gestionnaires, évidemment, et souvent, tu peux être un bon gestionnaire, être bon dans les chiffres, avoir une belle vision pour l'entreprise, de bonnes idées, tout ça, mais c'est pas ton bac de résoudre des problèmes, tu n'as jamais fait ça. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut donner à ces gestionnaires, la formation, quelque chose du genre? Oui, exactement. Entre autres, une formation sur la gestion disciplinaire qu'on offre permet aux gestionnaires de se pratiquer dans un contexte, dans des mises en situation, pour être à l'aise quand ils arrivent en situation
situation réelle, puis aussi d'utiliser des outils pour se préparer à faire une rencontre disciplinaire ou à intervenir pendant une situation quelconque. Donc, c'est vraiment la pratique qui fait en sorte que on peut devenir à l'aise à faire ça. Et au début, souvent, on va vouloir éviter, mais souvent, ça va être par manque de connaissances ou par peur de la réaction de l'autre. Et c'est là qu'on vient coacher, accompagner les gestionnaires à se développer à ce niveau-là. Si on veut vous joindre, on le fait de quelle façon? Au www.pratiquepratiq.ca. Caroline Ouellette, merci beaucoup. Bonne semaine. Merci beaucoup. Bonne semaine à vous aussi. Bye-bye. Bye. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme RH dans la Naudière. Plus d'informations, pratique.ca. Suivez-nous sur Facebook.